Ma petite routine sur Black Clover Mobile, je vous tiens un petit peu au jus de ce qui se passe en ce moment pour la version coréenne. La version globale, ça sera prochainement parce qu'il y a eu d'autres news qui sont tombées. Mais tranquille. Et voilà à peu près ce qu'on fait un peu de nos routines avec les quêtes quotidiennes, les missions hebdomadaires, etc., etc. Alors là, on va aller récupérer un peu les missions. On va récupérer ça. Les missions, les récompenses quotidiennes, faire ça aussi. Ok, il y a un truc à récupérer ici. Ça, j'ai déjà récupéré. Le plus important, j'ai récupéré, c'est ça. Ok. Et après, event. Ah, un tirage à faire ici. Voilà. Du coup, ça, on va le compléter après. On va aller direction le PVP directement. Ok, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je suis 240. Ok. Ouais, c'est intéressant. On pourrait essayer de se taper. Bon, ça, c'est ma team. À la même occasion, petit showcase ou pas? Allez, petit showcase. Il y a quand même 44 gifs. Il a quand même une très grosse puissance. Il a toute sa team maxée. Let's go. Let's go, let's go. On va mettre un peu le son parce que sinon. Non, c'est ennuyeux, ça va être ennuyeux. Ok. Je commence en premier dans tous les cas. Bon. Il joue pas Mars. Du coup, il a pas le malus. Normalement, j'aurais. Enfin, il a pas le bonus. Le bonus d'immunité. Du coup, là, on va faire ça. On va essayer de stun tout le monde et de mettre des malus. Ok, ben, c'est pas mal. En vrai, ça devrait suffire. Non, ça suffit pas. Dans tous les cas, vu qu'ils sont stun, je suis tranquille. Normalement, ils ne me mangent pas. Là, on va plus rien me faire. J'ai déjà deux stacks sur Fana. Ça et on va ulti là-dessus. Normalement j'ai buté. Non, presque. Presque, presque, presque. Bon. Après j'ai pas mis tous les malus sur lui. J'ai pas proc tous les malus. Laisse-moi du shield, ok. On va le sceller. Enfin, est-ce qu'on va... On va le sceller, qu'est-ce que j'ai moi. Ouais, c'est bon. C'est win, hein. C'est win, c'est win. Ouais, donc on va le terminer juste à l'auto-attaque. Ou pas. Sac bien, il sac bien, il sac bien. On termine sur ça. Bon, on l'a fumé. En même temps. En même temps, c'est normal, hein. C'est normal, c'est normal. Ce qu'on pourrait faire ce niveau. Lui pourrait être problématique avec Noël. Mais si je le one shot Noël, c'est que c'est free. Bon, là, pour la première. Pour le premier tour, ce qui va se passer, c'est que l'importance n'est pas de forcément mettre les malus. Mais plutôt de stun de stun la plupart d'entre eux. Là, aussi de one shot, ce serait pas mal. De one shot Noël. Ah, j'ai pas one shot. On va essayer de one shot 1 à 3. Ok, bon, c'est pas mal. Pour éviter. En vrai, vu que c'est un tour, on peut partir sur ça. Et vu qu'ils sont stun. Là, elle va. Du coup, augmenter la défense, augmenter la régène. C'est là où ça va commencer à être bien. On va faire ça. On enlève son shield pour éviter le counter. On met les malus.
Ok, Malice Me. On va one shot. On va essayer d'en one shot. Voilà, ça c'est gratuit. Ok, bah je crois que c'est win. À l'auto-attaque, on le termine. On augmente la durabilité des malus. On lui met pas mal de dégâts à elle. Enfin à lui. Grâce à Fana. Et on termine tout ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal les dégâts. C'est vraiment les petites. Là, c'est vraiment les petites. La petite routine, hein? Dernier match. Ah, intéressant. Bon, en soi. En soi, si je stun ou que je tue. Je tue directement en premier tour Noël et que derrière j'arrive à stun Mimosa, c'est nickel. Hein. Oh! Oh, j'ai misclick. Bon, c'est pas grave. On l'a one shot, nickel. Ça. Ça rien de mettre le malus vu qu'ils ont limité face aux effets. Y'a pas d'attaque soutien. On va essayer de revive, du coup je vais le tuer dès le début. Ah dommage, dommage. Dommage. Là elle va revive et elle va balancer son attaque normalement. Ok, du coup elle est morte. Ça c'est parce que j'ai pas balancé cette attaque dès le début tout à l'heure. Du coup je suis mort. Eh oui. Ouais, ça juste sur un truc de misclick, c'est dommage. Dommage. J'ai misclick. J'ai oublié d'utiliser la compétence, du coup je crève sur ça. Ouais, bon, c'est pas grave. On recommence, j'ai fait une petite erreur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On le refait, normalement c'est un free combat ça. C'est un free combat ça. Du coup voilà, là j'ai fait de la compétence. Est-ce que on la bute? Non, on la bute pas. On va essayer de stun Mimosa. Ok, c'est bon, ça a réussi. On l'a vu sur le prochain tour. Faire ça. Normalement, là, on termine sur ça. On va le buter lui. Normalement on crève là-dessus avec le stack des 3 des 3 N des 2 N plutôt. Ouais c'est free. En vrai on va juste aller sur l'auto-attaque hein. Ça va suffire normalement. Et voilà. Tout ça parce que j'avais pas buff tout à l'heure. J'aurais buff first round avec Vengeance, ça aurait été tranquille. Bref, on a fait les 3 combats. Lui il est intéressant, j'aimerais bien me taper. Après, ouais. Ok. On a fait les 3 combats. Là on va aller ici. On va aller ici rapidement. Oh. Moi. Là-dessus. Bah, ici, et on va. On peut pas. Ok, on peut pas. C'est dommage, je dois le faire manuellement. Bon. Je vais pas le faire sur la vidéo parce que ça demande trop de temps, mais ça par contre, ça on peut le skip. Ça on peut pas le skip, bon on va le faire à la main.
C'est vraiment des quotidiennes. On fait ça quasiment tous les jours. La même chose. Il n'y a pas réellement de. D'event ou quoi, ou de contenu en dehors de ça. Oui, par contre, là, je joue une team complètement différente. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu tout à l'heure. Là, je mets le mode auto, mais en soi. Ok. Okay. Bon. Normalement, c'est free, hein, c'est free. Avec le shield en permanence qui me donne Charlotte sur. Ok, bon, voilà. Comme j'ai dit, c'est free. Que me donne Charlotte sur Noël. Ça fait pas mal de dégâts contre-type pour une compétence de zone. Vraiment très très forte cette Noël. Enfin bref. On va pas faire trois fois, dans tout cas on gagne pas les récompenses. On va le faire en off. Après on va terminer sur ça. On va voir si on va gagner quelque chose d'intéressant. Ok, ah, pas de pierre de SSR partagé. Dommage. Ok. On passe à 31 000. Et on va skip ça. Après les gars, pour ceux qui veulent rejoindre la version coréenne, déjà j'ai fait un tuto, je remonte un peu à longtemps. Et il est toujours préférable de bien démarrer cette version-là avec l'anniversaire et tout. Parce que regardez là ce qu'on a gagné. Là, ce qu'on gagne depuis 2-3 jours, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, là, on a gagné 5 tickets juste avant-hier. Non, hier. Ou hier, on a gagné. Aujourd'hui, on a gagné 5 tickets. Et hier, on a gagné 10 tickets. Plus de la stamina. Plus 2 tickets ici. 2 tickets là. C'est vraiment, vraiment pas mal, hein. Les gars, c'est free de ouf. Regardez, là, j'ai combien de. Là, j'ai combien de multi. Je suis passé à 45. 31, bientôt 40 multi pour Asta qui va arriver d'ici soit directement après la mise à jour du 30, soit il viendra dans 2 semaines, quoi. Dans 2 semaines et 5 jours, enfin dans 19 jours, quoi. C'est vraiment pas mal. On a une bonne réserve. Avec la glow qui va arriver, on aura pas mal de contenu. C'est cool. Voilà. Pierre tout ça. Ketebdo, par la même occasion. En vrai, une quête. En vrai, les quêtes Kochi prennent environ 1 heure sur le jeu. Par contre, c'est pas quelque chose de dynamique ou quoi. Hein. À force de le faire tout le temps, ça devient quand même un petit travail à l'usine. On récupère. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ok. Pas mal. Voilà. Comme je vous le disais, on se connecte 1 heure. On a 200 stam. On a un petit coffre de gemmes d'arbres de compétences. On a des pierres d'enchantement d'armes. On a également de la bouffe pour. Enfin, des ingrédients pour faire de la bouffe. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Voilà. C'est à peu près mes routines. On va aussi dans la guilde. Bon, après là, la guilde, elle est un peu inactive. Elle est un peu inactive depuis environ un mois. J'ai viré pas mal de monde parce qu'ils en ont eu marre de la langue. Et ça, je peux le comprendre. C'est normal. C'est ça. Ben voilà, c'était juste pour les petites routines, pour vous dire ce que je fais une fois qu'on a atteint la fin du mode histoire, le endgame, vraiment le endgame, j'ai quasiment tout fait, hein. Enfin, ouais. Ça, parce que j'ai la flemme, ouais, je peux tout faire, et en plus j'ai des petits cristaux à récupérer,
Je peux tout faire, je peux tout faire. Après le reste, j'avais fait ça. Ça, je crois que je l'avais complété par contre. Ah, ça aussi, le bleu. Ah, là, avec Fana et ma petite team pour la team bleue, c'est gratuit. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous ferai des vidéos comme ça, chill, en détente. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.